de Merlin l'Enchanteur. Alors, on glisse des petits souhaits. En fait, on glisse des petits souhaits là dans la fente des pierres. Et la légende veut qu'on fasse je sais plus combien de tours, 7 ou 10. Tout autour en fait. Tout autour du tombeau. Et là, il y a Sullivan qui est en train de faire ses tours. Voilà. Et là, c'est un jardin de pierres en fait. Mais c'est super marrant comment ça a été fait. Il est là depuis... Je sais pas combien d'années quoi, mais ça fait super longtemps qu'il est là. C'est juste trop joli. Même là-bas, là, sur les bouts de bois et tout, et tout. Alors ici, c'est la fontaine de Jouvence. En fait, tous les enfants devaient être baptisés ici. Et pourquoi de Jouvence? Pourquoi on dit que cette fontaine rajeunit? Parce qu'il y avait des enfants de 2 ans qui venaient se faire baptiser ici et donc ça repartait à zéro. Donc on va baptiser Sullivan à 9 ans. Il était temps. Voilà. Jour 0, Sullivan vient de naître. Juste pour entendre le bruit des oiseaux et de l'eau. Je viens de décéder sur place. On est perdu. Il est décédé aussi. Bon, peut-être à tout à l'heure. Après 6 km. On est là. Wouh. On est pas mal. Et voici le chêne des Indrés qui est juste magnifique. Et vraiment très beau. Et moi, je pourrais rester des heures juste à le regarder. Et il a près plus de 500 ans, hein, c'est ça? Ouais, plus de 500 ans. Il est juste trop beau. Voilà. Donc voici les chaînes à guillotin. Alors en fait, pendant la guerre, il y a un jeune homme qui a échappé aux soldats en se cachant à l'intérieur du tronc de ce chêne. Il est juste magnifique. J'ai dû prendre vachement de recul pour pouvoir l'avoir dans son ensemble. Et je vous mets des photos. Et le lac au fait. Enfin, une partie tout le monde. Le miroir aux fées. Pareil qu'on peut les apercevoir.
Bien. Ouais. On arrête? Non. On continue? Oui. C'est quoi cette danse? Ça, c'est un gosse fatigué. Et nous voici au jardin des moines. Alors, la légende veut que ce seraient des moines qui auraient trop festoyé et qui se seraient retrouvés emprisonnés dans les pierres. Alors, on peut, dans certaines pierres, voir des villes. Et au niveau énergétique, c'est très 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 vibrant. Bien sûr, dans toute sortie, il y a toujours des feignasses qui cherchent les meilleurs coins pour pioncer. Comme vous pouvez le constater, cet arbre est poussé en fait sur son corps, hein, parce qu'il est là depuis des années, bien sûr. Coucou, c'est coucou. Dites ciao, à la prochaine.